Coucou les guerrières et bienvenue dans un nouveau vlog. Cette fois-ci, on est parti pour Miss Univers, Miss Bikini Univers, donc Muscle Mania, toujours ma fédération de départ. Là, ce que vous voyez, c'est que je suis sur mon vélo elliptique. Alors, nous sommes le matin du départ pour Miami et je fais mon cardio jusqu'au bout. C'est parti et le seul truc que je peux m'autoriser, c'est du café frappé, sans sucre. Nous sommes sur le point d'embarquer, je vais en profiter pour faire un petit point avec vous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai gagné ma carte pro bikini à Paris en octobre 2016. Et une fois qu'on gagne son statut pro parmi les amateurs, il faut aller sur le circuit professionnel, donc international, confirmer sa carte pro. Et c'est ce que je vais faire. Je suis en prépa depuis environ 16 semaines avec des problèmes de dos comme vous le savez. C'était plutôt dur de faire une prépa avec un double début d'hernie, lumbago, kiné à répétition et toute la difficulté d'une prépa avec. Mais ça a été et je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente de ma shape actuelle. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans les vlogs. Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi et je ne suis pas toute seule. La surexposition fait que le mystère restera intact jusqu'à la prochaine vidéo. Donc je suis avec mon petit frère qui fait partie de l'équipe Belloum que vous avez déjà vu dans les vlogs de New York. Et il m'accompagne pour cette première compète internationale. On va voir comment ça se passe. C'est parti pour 8 heures de vol. Et on se rejoint après. Là, c'est le snap que vous ne verrez pas en direct. Devinez où je suis. Arrivé à l'aéroport de Miami, les 8 heures de vol, ça a été. Pas d'incident. Non, je crois que c'est par là en fait, hein, pour la location de. Non, on va aller tout droit, mais il me semble que la dernière fois on avait traversé le parking parce que c'était plus rapide, mais. On va faire le tour. Arrivé à Miami, ce n'est pas la première fois que j'y viens. Si vous avez suivi un peu mes vlogs l'année dernière, j'étais déjà venue, mais pas pour une compétition, en post-compétition de ma première compétition amateur, qui était juste un petit essai avant Muscle Mania en octobre. Donc Miami, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième. Et suivez-moi. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. I found you, girl. I like being around you. Feel like Kanye, I'm bound to. Shawty, if you down, I'm down to. Yeah, I found you, girl. I like being around you. On vient de récupérer la voiture. Je ne vais pas vous vlogger ça parce que je dois faire la copilote pour le GPS. Ça va être très très fun. Au final, on a une Camaro. Je vous retrouve juste après la direction l'appartement. Et je vais essayer de vous filmer un petit peu du trajet, mais pas sûr que j'y arrive. Sans aucune transition, nous voici le lendemain, nous sommes bien arrivés. On a eu beaucoup de mal à trouver l'appartement, on n'avait pas la bonne adresse. En arrivant ici aux alentours de 20h, pour moi il était déjà minuit, plus de minuit. On s'est couché à 23h et pour moi il était quasiment 5-6h du mat. Donc vraiment très fatiguée. Et là je pars faire un peu de cardio avant de partir à l'enregistrement des athlètes. Là je file à mon cardio, je vous montre l'appart tout à l'heure. Je crois que ça va devenir une constante dans mes vlogs. Où est la gym? Où est la salle de sport? Où est le gym? Ah, elle est là. Et la découverte. Je peux entrer? Je peux pas entrer? Ah, patch. Ah, pas mal. Ceci est une salle de sport dans un immeuble résidentiel. C'est-à-dire que, en gros, tu as ton appart. Tu as accès à une petite salle de sport. Je vous montre. Je viens de terminer, beaucoup moins vide en partant à la salle. Je retourne à la chambre, il est temps de manger.
Donc vous montrez le petit bordel qu'on a mis. Comme je vous l'ai dit, on a foutu un petit bout de verre. Donc je vous montre pas parce que le petit frère il est en petite tenue. Déjà un petit bout de cuisine derrière. Nuisette. Non, t'es pas en nuisette, t'es en slip. En slip. En boxer. Je sais pas comment on appelle ça. En slip Superman, voilà. Je vous laisse imaginer le truc. Allez, il est temps de manger un coup. Habillé, coiffé, pas maquillé, c'est parti pour les inscriptions. Direction Miami Beach pour l'inscription des athlètes qui se termine dans un petit peu plus d'une heure, donc normalement ça va le faire. L'enregistrement c'est fait et j'ai même pas eu besoin de donner mon nom, ils m'ont reconnu. Très très étrange. L'hôtel est super sympa, il est très très beau. L'hôtel où se passe l'enregistrement et où les athlètes logent. J'ai plein de petits trucs, plein de petits matériels et j'ai le numéro 81. Tu montes ? Et ce n'est pas choisi au hasard. Tu fais la petite grosse ? Casse-crotte. Vivement que je mange autre chose que du poulet. C'est fini les asperges après ? Après aujourd'hui, ouais. Enfin. Donc là, on mange tranquillement, enfin je mange tranquillement. Et on va peut-être aller sur South Beach, parce que le petit... Beach. Parce que le petit frère n'a jamais vu South Beach. Nous sommes partis faire un petit tour et on retourne à l'hôtel parce qu'il fait trop chaud. Je crois qu'il fait un truc comme 90 degrés Fahrenheit, je ne sais pas à quoi ça correspond en degrés Celsius. Donc on revient à l'hôtel. Après plusieurs heures d'attente, nous voici enfin au meeting, la réunion où on va avoir toutes les infos sur la compétition de samedi. Là, nous sommes jeudi. J'ai croisé certains athlètes qui étaient avec moi en Égypte, Ono et Drake qui était là aussi, Daisy également, qui est toute belle, toute jolie. Et on va voir comment ce qu'ils vont nous raconter. On vient de sortir du meeting et j'ai appris que je vais devoir changer ma chorégraphie à la dernière minute. Donc demain je vais bosser la chorégraphie et on va prier pour que ça le fasse. On va se poser, faire à manger et demain est un autre jour. On est le soir et nous allons faire des petites courses chez Whole Food. Je sais, aucune transition, mais la veille d'une compète, il fallait se reposer et ça me fait penser que je ne vous ai pas encore montré notre super voiture. Je vous la montrerai un peu plus tard. Et il a appris à la décapoter. Enfin, on a cherché aujourd'hui. Oh, il n'y a plus de toit. Nous voici chez Whole Food et inévitablement, je me retrouve dans le rayon bio. Les protéines bio. Et c'est cool. C'est super cool. J'aurais aimé qu'on ait ça. Le sucre, c'est pas pour moi. C'est pour moi. C'est pour lui le sucre. On cherche du sucre. Là, on est en plein milieu des compléments. Il y en a partout. Je vous ai déjà emmené à Whole Food l'année dernière quand j'étais à Miami. Et on va finir par trouver la drogue. La drogue. Le sucre. Et après les protéines bio, le rayon de toutes les herbes et les épices. Je suis défoncée. Où en sommes-nous à quelques heures de la compétition ? Confiant. Confiant ? Moi ça va. Lui il est confiant. Tu veux monter en bikini à paillettes sur scène ? Si tu veux j'en ai un pour toi. On va éviter. Et alors l'appart là c'est le gros bordel. Ouais. Et je dois encore faire ma valise pour demain, pour la compétition, hein, pas pour le départ. Et on va manger et je crois que pour aujourd'hui ce sera tout. Et j'ai l'impression que je n'ai rien filmé aujourd'hui. Appelle-moi quand c'est fait. Il craque son bikini à paillettes. À paillettes. À paillettes jaunes. À paillettes jaunes, ouais.